Un célèbre explorateur a dit un jour « Les choses extraordinaires dépendent de nos actes, pas de qui nous sommes. » J'avais enfin décidé de partir faire mes preuves, pour chercher l'aventure. Mais à la place, c'est l'aventure qui m'a trouvé. Dans les instants les plus sombres, quand votre vie vous abandonne, il y a toujours quelque chose. Quelque chose qui vous maintient en vie. Quelque chose qui vous pousse à avancer.
froid. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Une torche. Bonjour à tous. Bon, j'attendais la fin des cinématiques. Alors, on est parti pour une nouvelle aventure sur Tomb Raider, donc la nouvelle série de la chaîne. Donc, j'espère que vous serez immergés dans cette belle aventure. On va essayer de s'en sortir. Il a dû m'entendre. C'est pas vrai. Donc, on peut examiner l'environnement. Ok. Bon alors, on va essayer de trouver comment est-ce qu'on fait. Bon, ce qui est sûr, c'est que le début, il va être très simple. Alors, je peux examiner. Ok. On va enflammer ça. Qu'est-ce que ça fait? Ça se propage. De se planquer, enfin de se casser rapidement. Ok, donc on est déjà sur une première énigme. Alors on va. Je pense que la solution va être très simple. Mais faut juste un peu regarder autour de soi. Bon, je pense que ça a extrêmement en rapport avec ça. Je sais pas qu'on puisse sauter. Ou... Ah, je sais pas trop. Qu'est-ce que je peux faire ici? Si je peux pas y aller. Est-ce que je peux monter là? Ah, alors, ici on a une cage, donc F pour pousser. Ok. Qu'est-ce que je fais maintenant? Encore.
Ouais. Je suis d'accord. Non mais je sais que c'est un très gros rapport entre tout ça. Alors, par contre, on monte des trucs en dessous. Clairement en rapport avec les gadgets. Vraiment, je sais pas trop comment on va faire ça. Pardon, pardon Lara, désolé. Ok, ça je peux pas bouger la main. On va suivre les gadgets, c'est là. Réallumer notre torche pour la 14e fois. Voilà. Par contre, ça n'a pas de sens. Alors, qu'est-ce que je fais pour faire ici? Parce que ici, c'est clair que ils disent que je peux. Je pense que je vais peut-être devoir tout enflammer. Après, ça m'étonnerait hein, vraiment. Tout ça parce que je pense que c'est censé prendre dans cette corde qui déclenchera un mécanisme là et qui fera descendre cette c'est clairement ça je sais pas, on va tout enflammer hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ok, alors clairement pourquoi ça brûle pas? C'est quoi, c'est du métal? C'est quoi ces conneries? Ah c'est du métal. Bah ouais, je suis con, c'est du métal. Ok, parce que il y a clairement un rapport avec ces boîtes, enfin ces cagettes. Voilà, regardons le mécanisme. Ici il y a une corde, une corde qui ça fait exactement la même chose, tout se voit d'affilée. Ça change. Donc, si on a une corde, je pense pas que je puisse faire le jump. Alors, ça m'étonnerait, mais ça, je pense que je peux peut-être faire le jump. Ah putain, je peux faire le jump. Ok. Ça nous fait tout ça. Ça va brûler peut-être la serrure. Je sais pas. Okay, ça a mis le feu là-bas. Putain, je pensais pas qu'il y avait la distance. Ok. Et on peut. Qu'est-ce que ça fait? Ah, ça nous fait exploser. Ok, putain. Ah, c'était si simple! Ouais! Ouais, c'est pas possible. Elle est clairement dans des états compliqués. On se demande comment la torche elle s'éteint pas. Ça.
en bateau là. Mais c'est pas possible. Ah. Ah, ça fait mal, ouais. Ouais, ça doit faire... C'est peut-être compliqué, ouais, pour la vie... Non, mais d'accord. Très bien. Y a pas de soucis, hein. Ok, on va la refaire. Ok, donc je sais pas cliquer, clairement. Attends, je sais pas quelles sont les touches que je suis censé utiliser. Putain. On va y arriver. Putain, c'est F. Putain, mais ça a aucun sens. On dit F, après on dit gauche et droite. Non mais je vais arriver à appuyer sur des touches, vous inquiétez pas, c'est... Pas de soucis avec ça. Mais ça a pas de sens. Ça a pas du tout de sens, putain. Ok. Parfait. Bon. C'était putain de simple, je suis juste très très nul. Ok. On a plus de torche. Désolé pour le bruit du clavier, j'espère pas qu'il s'entendra pas trop. Oh là là. Putain, t'imagines être dans cette situation. Ah, c'est horrible. Ok, on a un mine à l'extérieur. Enfin, je crois. Ouais. Wouah, couvert de sang, la pauvre. On rappelle qu'elle a encore mal au ventre, hein. Ok. Bon. L'aventure ne fait que commencer, donc. Vraiment. Moi j'étais en mode saut de l'ange, ça allait bien se passer. Bon, faut qu'on descende calmement et prudemment. Ok. La pauvre, elle a mal. Oui, oui, c'est un jeu vidéo, je sais. Mais la pauvre. Le canot de sauvetage. Mais où sont-ils? Ils ont dû avancer dans les terres. Cherchez les traces d'autres survivants. Ben d'accord. Je peux pas genre courir. Ok. Doucement. Waouh. Pour combien vous vous mettez à sa place? Oh my god.
Je viens de comprendre que c'était plus une cinématique et qu'il fallait que j'avance. Non mais vous inquiétez pas, un jour c'est... Hein. Tranquille. Encore devoir faire un jump de malade. Putain la pauvre. Alors. Dès qu'on arrive à la barque, je pense que je vais arrêter cet épisode. Je vous ai pas parlé des moments de parution entre guillemets. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sera un épisode par semaine. Voilà. Donc. De quoi faire durer longtemps. Ok. Bon. Faut clairement s'y attacher. Mon Dieu. Ok, ça, il y a encore du tutoriel pour nous apprendre comment est-ce qu'il faut jouer. Ouais. Non, j'ai rien contre. Jusque là, il y a aucun souci, mais. Oh. Ah voilà. Sur espace ouais. Okay. La pauvre. C'est clairement un manque de chance. Là ça va. Ok, je suis arrivé de l'autre côté, c'est parfait. Ah ouais. Tranquille. Putain, quelle journée, franchement. Imagine, tu t'endors, tu fais... Oula. Ok. Le sac de Sam. Me mène à croire qu'il faut que j'aille là. Je me rappelle. La pauvre. Putain. Nem compatissant pour des IA. Yes. Enfin, pas vraiment du coup, c'est... Abritez-vous de la tempête. Ok, j'ai trouvé. On va se mettre là. Je pense. C'est là, non? Je sais pas trop. Ok, on a un fait de camp. Allez, répondez. Là tu la casses.
Et voici la future référence mondiale de l'archéologie, Lara Croft, dans son habitat naturel. Elle est à la recherche du royaume perdu du Yamatai, sur les traces de Himiko, la mythique reine solaire. Une de mes ancêtres, semble-t-il. Sam, c'est sérieux, là. Mais je sais, ma belle. J'essaie juste de détendre un peu l'atmosphère. Tout le monde est tellement à cran. Dis-moi ce qui te préoccupe. Je tiens quelque chose. J'en suis persuadée. Mais je sais pas si les autres m'écouteront. Ou s'il faut qu'ils m'écoutent. Lara, personne ne connaît ce sujet aussi bien que toi. Sérieusement, je dis pas ça juste pour te rassurer. Je te fais confiance. Et Ross aussi. Ça va aller. Allez, c'est le moment de faire une pause. Faut se détendre. D'accord, d'accord. Hey, Sam. Merci. Elle n'est pas toujours aussi sérieuse. Mais vas-y, rattrape-le ! Non, non, mais c'est ta chance, là ! Mais comment pouvez-vous insinuer que je ne prends pas cette expédition au sérieux, Lara ? Il n'y a pas que la famille de Sam ! Moi aussi, je finance le projet ! Nous jouons tous gros dans cette histoire. Et on savait que ce ne serait pas une promenade. C'est précisément pour ça qu'on doit aller vers l'est, pas vers l'ouest. Rien ne laisse croire que le... Yamatai soit autant à l'est. Tous les ouvrages de référence disent le contraire. Cela dit, leurs auteurs n'ont jamais trouvé le Yamatai. J'en ai déjà parlé avec Ross. Ça ne rime vraiment à rien de marcher sur les traces des autres, Dr. Whitman. Ne comptez pas sur moi pour jouer ma réputation sur une de vos lubies. C'est moi seul qui dirige cette expédition. Depuis quand vous n'êtes pas allé sur le terrain sans caméra derrière vous? J'ai 30 ans d'expérience, 2 doctorats, dont un en histoire de l'Extrême-Orient, alors occupez-vous plutôt de votre bateau. Navire, Dr. Whitman. C'est un navire. Pas besoin d'un doctorat pour savoir. Écoutez, ça. Faire cap vers l'est nous mènera directement dans le Triangle du Dragon. C'est là où nous devons aller. Lara, ma petite Kai. Tu sais bien que je serais prêt à suivre n'importe où, mais j'aime pas cet endroit. Ces tempêtes feraient passer le Triangle des Bermudes pour Disneyland. C'est tout pour moi. Certains récits racontent que la reine Himiko pouvait invoquer des tempêtes. Les mythes sont souvent des déformations de la réalité. Et si le Yamatai se trouvait à l'intérieur du triangle ? Tenez, voilà une image satellite montrant l'intérieur du triangle du dragon. Ça ne donne pas envie. Tant qu'il y a de l'eau, je peux vous y amener. Oh, ne me dites pas que vous êtes sérieux. Reyes a raison, on n'a pas les moyens de tergiverser. C'est maintenant ou jamais. Lara a le mérite d'avoir des idées et une carte. C'est moi le capitaine, c'est moi qui décide. On va aller dans le Triangle du Dragon. Comme bon vous semble. Je peux pas rester là, rien faire. Ok, c'est ici qu'on s'arrête, parce qu'il y a eu beaucoup de cinématiques. J'espère que cet épisode vous aura plu, c'était NEM. Et j'attends vos retours en commentaire. Voilà, il y aura un épisode par semaine, hein, je le rappelle. Donc voilà, j'attends vos épisodes... Oula. J'attends vos retours en commentaire, lâchez un like, etc. Abonnez-vous si ça vous plaît. C'était NEM, ciao. Everybody get your fucking hands up.